Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette petite vidéo. C'est une petite vidéo à la cool, c'est-à-dire ce que j'entends par à la cool, c'est qu'il n'y a pas un texte posé. On est beaucoup plus dans un espace de discussion et on est là pour réagir à des commentaires qui reviennent assez régulièrement sur la chaîne et que je ne trouve pas entièrement vrais. Mais en fait, à la base, je les ai pensés. Si je ne les ai pas écrits ou que je ne les ai pas dit en vidéo, je les ai pensés. 343 tue à l'eau. Voilà, c'est un commentaire qui revient. 343 est en train de tuer Halo. 343 a tué Halo. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Non pas parce que Halo Infinite est en réalité un jeu extraordinairement bien. Pardon, vous voyez, j'arrive même pas à le dire tellement je suis. Ça me choque. Halo Infinite n'est pas. C'est pas que Halo Infinite est un jeu extraordinairement bien. Ce n'est pas que... Enfin, j'en sais rien. C'est juste qu'en fait, Halo, c'est tout un tas de choses. Halo, c'est des romans. Halo, c'est des jeux. Halo, c'est même maintenant une série qui va arriver. Voilà. Halo, c'est un univers qui est gigantesque. Et oui, 343 est en train de faire du mal à Halo. Mais en fait, ils ne sont pas en train de faire du mal à Halo avec un grand H. Ils sont en train de faire du mal à Halo avec un petit H. Si je puis exprimer ainsi, et je vais m'expliquer, en fait, 343 ne sait pas ce qu'il fait lui, mais à aucun moment, 343 ne touche à ce qu'a fait Bungie à l'époque. Jusqu'à Halo Reach, en fait, on est dans un environnement sécure. Et en fait, Halo, c'est ça, c'est la base de Halo. Et en réalité, s'ils avaient tué Halo, ils auraient touché à des éléments qui sont issus de là. Ils auraient donné des éléments du passé qui auraient fait que les Covenants, ça changeait la dynamique des Covenants, par exemple. Là, on n'est pas du tout sur ce genre de choses. On est vraiment sur une nouvelle dynamique. 343 essaie de raconter une histoire après ça. Ils ont, pour moi, très bien réussi avec Halo 4 à créer quelque chose, à créer un relancement. Sauf que derrière, ils se sont pété la gueule parce qu'ils voulaient à la base que le didacte soit un ennemi prédominant de leur jeu. Le didacte qui donc ne devait pas mourir à la fin de Halo 4. Puisque le didacte est véritablement mort, ou du moins a été, je sais plus quel est le terme exact, bon il a été mis sous contrôle on va dire, je sais plus. Dans Halo Escalation, le comics que personne n'a lu. Voilà, c'est bien pour dire que le didacte, il y avait des choses à faire avec lui, mais finalement, ils ne l'ont pas fait parce que dans les jeux vidéo, ils se sont dit non, ça va pas marcher, on va recentrer un petit peu le truc autour du Major avec Cortana. Pourquoi je dis recentrer le truc du Major? Ça peut paraître complètement paradoxal dans Halo 5 puisqu'on ne joue pas beaucoup le Major, mais juste que émotionnellement, c'est le Major qui serait le plus attaché à ce nouvel ennemi qui serait Cortana. Et c'est là où était pour moi un intérêt vraiment fort autour du jeu. Et je sais pas de comment ils sont partis, si c'est seulement les avis des gens qui ont dit qu'ils ont pas aimé. Voilà, quoi qu'il en soit, retournement de situation totale. 6 ans plus tard, Halo Infinite sort, Cortana est morte en off, on s'en fout, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Voilà, on passe à autre chose, on cherche à nous mettre des ennemis, de nouveaux ennemis, encore avec les éternels. On nous en dit tellement dessus qu'on n'a pas forcément beaucoup de curiosité de savoir qui ils sont. Les parias qui sont censés être les Covenants 2.0, on en tue tellement à l'appel, on tue les méchants, on sait pas ce qu'on fait d'eux en fait. Il y a trop d'ennemis qui arrivent. En fait, à chaque jeu, on a un nouvel ennemi qui arrive et ça ne permet pas d'avoir de la profondeur sur cet ennemi, ce qui était une force de la première trilogie, plus Halo 3 ODST et plus Halo Reach. On avait les mêmes ennemis, on avait un contexte, on avait quelque chose autour d'eux, on avait des livres qui parlaient d'eux. Et sauf que là, 343 n'arrive pas à instaurer un nouvel ennemi parce qu'il continue en boucle d'en créer des nouveaux pour essayer de trouver un ennemi que les gens vont dire « Oh mon Dieu, ils sont trop bien !» Sauf que, bah, ils sont trop bien ces ennemis si tu leur laisses le temps de prendre et de l'être l'ennemi. Julem Dama est un personnage de merde dans les jeux, clairement. Hein, mais derrière, il y a un background qui aurait pu être appuyé autour de lui, qui aurait pu être très intéressant, et c'est vraiment très bête de l'avoir jeté comme ça. Le didacte, c'est exactement la même chose. Il aurait pu avoir quelque chose de très intéressant. Ils l'ont jeté. On ne peut pas lancer sur un jeu vidéo, en plus, où l'histoire n'est pas... C'est pas un film, c'est pas une série.
On peut pas sortir un méchant comme ça et dire tout de suite, eh ben voilà, eh ben il est trop bien. Non. Alors oui, sur Halo 3, sur Halo 3, sur Halo Wars 2, ils ont réussi à faire quelque chose avec Atriox, c'était plutôt pas mal, mais visiblement, ils nous l'ont buté. Pour moi, il est bien mort, il n'y a pas de truc où il va revenir, voilà. Je pense qu'on va beaucoup plus se battre sur quelque chose qu'il a fait, en fait, plutôt que quelque chose qu'il va faire plus tard. Voilà, c'était une cinématique qui montrait le passé et non le futur de Atriox, ou qu'il est en train de préparer quelque chose. C'est juste que il a déjà commis ses méfaits et qu'on va subir les conséquences. Donc globalement, est-ce que 343 est en train de tuer Halo? C'est faux. Ils sont seulement en train de se tuer eux, et la différence est quand même notable. À un moment donné, on peut arriver à sauver les meubles. Pour moi, il y a quand même la possibilité qu'il faille absolument changer l'équipe directrice chez 343. Hein, c'est bien triste, mais faut bien jeter la responsabilité sur quelqu'un à un moment donné. Et je pense que c'est la personne la plus haut gradée qui valide les propos. Je suis pas là pour donner des noms. Je ne sais même pas exactement qui c'est qui va valider les idées du scénario des trucs, ou qui a validé les idées du scénario avant, parce que les équipes changent quand même assez régulièrement. Quoi qu'il en soit, il faudrait se baser, être stable sur quelque chose pour pouvoir avancer, pour créer quelque chose. C'est peut-être ce que va faire Halo Infinite, puisqu'on est censé être bloqué pendant un moment sur cette installation, sur l'installation 07, sur cet Halo. Donc peut-être qu'on va pouvoir commencer à raconter une histoire vraiment qui veut s'imbriquer les morceaux les uns dans les autres. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais j'espère que ça va quand même arriver assez vite, histoire qu'on puisse avoir un lien véritable entre les jeux, parce que là, chaque jeu est en fait véritablement un reboot de leur univers à eux, de l'univers de 343 post-première trilogie, et il serait temps de passer véritablement à la vitesse supérieure et de raconter une histoire au lieu d'essayer de trouver la meilleure entrée possible, en fait, et d'attendre seulement que les fans disent oui, parce que non. Ça ne marche pas fondamentalement comme ça. Il faut raconter ton histoire et après, tu peux revenir dessus. Et une fois que tu as commencé à véritablement la construire, tu peux te dire putain, mais en fait, ce qui est en train d'être fait est vraiment génial. Mais comme on n'a pas le temps de créer quelque chose en un seul jeu, bah du coup, on se retrouve avec ce qu'on est en train d'avoir là, une espèce de fil décousu. Et c'est bien triste. Voilà, donc c'était pour répondre à ce message, non, 343 n'est pas en train de tuer Halo, ils sont en train de se tuer eux-mêmes et de tuer leur travail. Ils sont en train de tuer leur propre travail, ça se voit notamment avec Halo Infinite, qui cherche à oublier complètement en fait le travail qu'ils ont pu faire sur Halo 4 et sur Halo 5, rien qu'au niveau de la direction artistique. Ce n'était pas un problème que la direction artistique change, le tout c'était que ils l'assument eux-mêmes, en fait, leur propre direction artistique. Et là, ben, on voit sur Halo Infinite, ils ne l'assument pas, ils repassent à autre chose. Et en fait, c'est qu'est-ce que derrière ils ont encore modifié, qu'est-ce que derrière ils ont encore changé qu'on n'est pas au courant. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment formidables qu'ils ont complètement oubliées sous prétexte que les fans ont gueulé une fois, deux fois? Parce que là, il va y avoir de plus en plus de fans qui va gueuler, en fait, si l'histoire continue à se découdre de cette façon. Selon ce qu'ils vont proposer avec les Éternels, ils vont pouvoir regueuler. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont re-abandonner les Éternels pour nous ressortir un nouvel ennemi? Mais à un moment donné, tu ne pourras pas nous sortir des ennemis comme ça de partout. Il n'y en aura plus, simplement. Et là, quand il n'y en aura plus, là, Halo sera finalement mort parce que ben, tu auras épuisé toutes les ressources que tu peux utiliser. Et tu te retrouveras en fait avec une fin en lambeaux, décousue de sens. Et c'est triste. C'est triste pour un univers de science-fiction qui est, il faut le remettre dans son contexte, Halo n'est pas un jeu pour moi, ma vision de la chose. Halo, ce n'est pas le Major. Halo, c'est un space opéra. Un space opéra, c'est tellement de choses. C'est tellement de choses. Il faudrait juste assumer que Halo est un space opéra. Halo a des presque une dizaine d'espèces différentes, avec les Covenants, avec tout ça, à des époques différentes. Voilà. Et le Major n'est qu'un élément central, certes pour les jeux, mais n'est qu'un élément de tout ça. Et ça serait triste de vouloir se concentrer à mort sur lui et d'en oublier tout le reste. Regardez Halo 2, regardez ce qui a été fait avec l'Arbiter, même regardez ce qui a été fait avec Halo Wars 2, le personnage d'Atriox ou le personnage de Jérôme sont des personnages qui sont
très intéressant qu'il me plairait de revoir. Et en fait, simplement, de 343 a mis en avant et a créé beaucoup de personnages pour leur jeu, mais ils ne les utilisent jamais, que ce soit des méchants ou que ce soit des gentils. Et il y a plein de bonnes choses qui ont été utilisées, qui ont été oubliées, qui ont été perdues. Et c'est vraiment bête. Et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à utiliser tout ce qu'ils ont pu créer pour donner quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à partir du moment où on se recule légèrement du Major. Voilà, c'est... Halo 5 n'est pas un bon exemple parce que le jeu a été mal écrit, mais les personnages, Locke par exemple, est un personnage intéressant, différent du Major, complètement différent, beaucoup plus dans le genre espion, sans être assumé pour autant, ce qui fait qu'il y a un problème. Mais Locke avait une idée de personnage visiblement à la vision droite, et ce qui pouvait l'intéresser, ce qui pouvait être intéressant par rapport à ça, c'est de le voir se rebeller justement contre l'UNSC et potentiellement rejoindre le Major dans une guerre à côté de l'UNSC et dans son propre combat pour combattre Cortana. Moi, c'est comme ça que je voyais potentiellement la suite de Halo 5, avec vraiment une guerre des Spartans contre tout le reste. En fait, limite, peut-être même contre des Marines, contre des trucs. Alors, il faut voir la forme que ça peut prendre, mais... L'ONI et l'UNSC, donc les forces humaines, ne sont pas toutes blanches. Et ça aurait été bien dans un jeu de jouer là-dessus. Je ne sais pas, je pense pas qu'aujourd'hui ils le fassent. Hein. Il faut bien ranger les trucs dans des cases. Lui c'est un gentil, lui c'est un méchant. Et c'est bien triste parce que jamais quelqu'un n'est que gentil ou n'est que méchant. Et il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de choses à raconter. Et ça serait bien de le faire aussi un petit peu dans les jeux. Sauf que 343 n'ose pas le faire. 343 est en train de se fusiller tout seul. Voilà, globalement, la réponse est là. Non, 343 n'est pas en train de tuer Halo. Et il y a encore un petit peu d'espoir d'arriver à faire quelque chose avant que Halo ne soit plus qu'un multijoueur, en fait. Parce qu'Halo continuera d'exister tant qu'il y aura des personnes qui joueront en multijoueur. Mais la campagne, si ça se trouve, à un moment donné, il n'y en aura plus. Et ça serait pas forcément étonnant un jour de voir un Halo sans campagne, parce qu'il y en a déjà pas mal, des jeux qui ont que des multijoueurs, et pour certains, ils se portent très bien, et au moins ça permettrait peut-être d'avoir un multijoueur complet à sa sortie. Ce qui est bien triste quand même pour la campagne. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à ce que je viens de dire, on se retrouve très bientôt pour parler d'Halo, salut à tous !